aujourd'hui, je te parle d'un beau petit jeu. Hey. Je parle de la petite sirène! Ça va être malade! C'est bon, la petite sirène! Mais ça, la petite sirène au NES de Little Mermaid. Il s'agit d'un autre excellent jeu NES de Disney. Ouais. Comme il y en a tellement. Mais oui. On les aime tous, ces jeux-là. Ils sont cute. Ou presque. Puis, j'adore ce jeu-là. Je l'aimais quand j'étais petit. Je l'avais loué, j'avais joué. Ouais. Puis, ça joue très bien. Moi, c'était à cause de l'image de la grosse méchante en arrière. Parce Ursula. Que c'était huge. Ursula était huge dans l'écran. Moi, dès qu'il y avait une image avec un gros boss, même si le gros boss, dans le fond, tu frappais juste ses yeux, ouais. Je capotais. Ah, écoute. Puis, elle est là, deux fois. Ouais. Oh, spoiler. <La fin. rire> Fait que t'es gâté à ce niveau-là. T'es un petit peu moins gâté au niveau de ce qui se passe dans ce jeu-là. Ouais. Parce que il y a juste cinq stages. Les cinq stages... Ah, oh, je dis stage encore. Bruno, il rit de moi parce que je dis stage. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, quand j'étais petit, ça, c'est, ça. C'est mon candy. C'est ça. Il y a du stage. Donc, dans les cinq niveaux, ouais. Et ils sont presque tous pareils. Ouais. Puis, c'est les mêmes ennemis tout le long. Le petit poisson, le petit crabe, la petite truite, c'est pas grand-chose, malheureusement. Puis, c'est jamais spécial. En fait, bon, ce qu'Ariel, il faut qu'elle fasse, elle lance des bulles avec sa queue. Puis, elle pogne... En plus, ça donne vraiment un coup. On dirait qu'elle pète. On dirait qu'elle pète des bulles dans l'eau. Quand tu pètes, ça fait des bulles. Puis là, elle attrape les ennemis là-dedans. Elle attrape les ennemis là-dedans. Puis elle peut les prendre et les lancer sur les autres ennemis. Colin! Hein? The power of the fart. Yeah! Fart dans l'eau. Puis il y a des petits coquillages aussi que tu peux ramasser pour ouvrir des coffres. Donc, tes pets peuvent devenir de plus en plus puissants. C'est magnifique. Et tu peux attraper des gros ennemis à un moment donné dedans. Et puis, aussi, ils peuvent se propulser beaucoup plus loin, tes pets. Fait que là, c'est vraiment génial. Fait que, ça, c'est cool. Le gameplay, il est bon. Ouais. On se promène, ça se promène bien dans le niveau. Et puis, moi, j'ai pas eu de problème avec ça. La musique est bonne. Moi, j'aimerais ajouter que c'est un des seuls jeux dans l'eau qui fonctionne bien. Oui. J'haïs ça être dans l'eau d'un mot du jeu. C'est poche être dans l'eau. C'est vrai. Ben, ce qui va bien, c'est qu'il faut pas que tu pitonnes pour faire avancer Ariel. Ton contrôle, avec ton... c'est comme un schmop dans le fond. Mais elle glisse un petit peu pareil, mais à peine. Juste bien. Fait que c'est super bien balancé. C'est pas comme Mario 1, là, que tu sais, t'es comme puis tu sais. Non, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Oui. Faut leur donner ça. Puis un bouton turbo aussi, quand tu pèses sur B, tu peux flyer puis aller vraiment vite. Bon. Ça, c'est trippant, là. Moi, je suis tout le temps là-dessus, puis je skip tout le monde. En fait, c'est ça qui est un peu poche parce que je skip tout. Il y a des items que tu peux ramasser. Tu sais, des pipes, whatever, qui te donnent des points. Okay. Puis, tu sais, je les ramasse pas, je contourne les monstres, je me dépêche, je me rends jusqu'à la fin. Fait que c'est un jeu que tu peux finir, tu sais, en 20 minutes. Mais là, je regarde les ennemis, ça a l'air d'être pas mal tout le temps la même affaire. Toujours les mêmes. Ça évolue pas à chaque niveau. Même tous les niveaux. Ben, les premiers sont faciles. Ouais. Puis les derniers sont juste un petit peu plus durs, mais tu sais, pas vraiment durs. Mm-hmm. Puis dans le dernier niveau, on t'avertit, ton petit poisson, j'ai oublié son nom, le petit poisson jaune, il dit attention, Ariel, quand tu rentres dans les portes, après ça, tu ramasses à des places, puis les portes sont plus les mêmes. Là, j'étais comme, oh merde, là, je m'embarque dans une affaire, tu sais. Eh oui. Puis là, je saurais plus où ce que je suis, puis ça va durer 20 minutes. Non, là, c'est super linéaire, là. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te perdre, jamais. C'est vraiment cheap, là. Caline. Puis Ursula, à la fin, bon, elle est super facile, là. Okay. Sans joke, là, ça aurait pu être facilement un boss de niveau normal, tu sais. Un ennemi commun, là, ouais. C'est aucun problème, là. Donc, c'est ça qui est dommage. J'ai l'impression que ça a été rushé un peu, ce jeu-là. Ça a été bien pensé, c'est bien fait, c'est le fun, la musique, l'univers, le graphisme, tout est beau, c'est Capcom, c'est Disney, mais c'est juste trop court, c'est trop facile, tu sais, c'est ça qui est triste là-dedans. C'est dommage. Mm. Mais bon, c'est un jeu qui vaut pas super cher non plus. Puis, si vous le voyez, achetez-le quand même. Là, c'est genre 10$, 12$. Mais tous les jeux de Capcom, Disney, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, c'est toute la qualité. Pas absolument. Mal, là, puis je propose qu'on fasse un spécial à un moment donné, rétro nouveau, un épisode un petit peu plus long, et puis qu'on parle des jeux de Disney les plus populaires, les meilleurs. T'sais. On pourrait faire ça, en tout cas. C'est bon en tabarnouche. Fait que, petite sirène, c'est quand même pas mal le fun, mais c'est pas mal court, mais ça vaut la peine. Achetez-le.